C'est une association nationale. Nous, nous sommes toutes les deux de Montpellier. Donc, on vient pour le Maghreb des Livres, pour participer à cet événement qui est pour toute association. Il y a des gens de Toulouse, de Perpignan, etc. Il peut y avoir 7 sections, je crois, maintenant en France et 3 sections au Maghreb. Bon, sa philosophie, c'est d'accueillir tous ceux qui... Alors, les plaquettes disent « par l'histoire ou l'amitié sont attachés au pays du Maghreb ». Donc, quelles que soient leurs origines, quelle que soit bien sûr leur religion, c'est tout le monde. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on réunit dans la même association des enfants de Harkis et des enfants de FLN. Et... Bah, ça fait des débats, mais c'est ça qui est intéressant, je crois. L'important, c'est qu'on aime, on aime ces pays. Des parties de cause que l'on cherche également. Chez vous, que vous l'ouvrez jamais, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Benia, je suis auteur et je suis là à la mairie du 13e pour le Maghreb des Livres, pour une séance de dédicace pour mon livre Chien de la Casse. Voilà. Donc le livre, et celui-ci là, il n'a pas de rapport avec le Maghreb, mis à part que mon personnage, il est franco-algérien. Et, mais mon précédent livre, Panne de Sens, lui il avait un rapport avec l'Algérie, c'est que mon personnage. Il allait en Algérie et il se retrouvait, c'était l'histoire d'un adolescent qui se retrouvait en Algérie, dans un pays qu'il ne connaissait pas. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi d'être là. À bientôt. À bientôt. Aïe, à faire ta gueule, t'as eu ce bim. Oh, doucement. Depuis 7 jours, tu nous casses les pieds, ta-ta-ta. Descends un peu, sois normal, sois populaire comme tout le monde. Dina. Et le type, il lui fait, ah, tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, tu ne sais pas qui je suis-je. Et le jeune, il lui a fait, qui tu suis-je? Tu crois qu'il y a que toi qui suis-je? Mais on est tous des Suisses. Donc là, je suis venu signer mon livre L'allumeur de rêve berbère. C'est le 5e, je crois, ou le 6e. En fait... Moi aussi, je suis un Suisse. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Coup de soleil, c'est des amis, c'est des copains. C'est un réseau de gens formidables qui ont... soutenu mon travail depuis toujours, qui ont toujours été là, donc je suis ravi d'être là parmi eux et parmi ce public formidable. Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'ai découvert l'association il y a 2 ans, justement en me déplaçant pour voir ce Maghreb des Livres. Et j'aime beaucoup aussi les cafés littéraires qui ont lieu et où il y a certes les conférenciers, mais il y a le public aussi qui participe et qui, sur des points précis de la situation de ce pays. Et la première fois que je suis venue il y a 2 ans, c'était sur la censure. C'était fort intéressant.
Qui a été remis en liberté aujourd'hui après avoir purgé une peine de 2 ans de prison. C'était le directeur du journal Le Matin qui utilisait un ton particulièrement virulent contre le pouvoir algérien et son président. Ça va, ça fait plus d'un an et demi que je suis sorti. Je me bats contre la maladie pour rester debout. Avec l'aide de mes amis, j'y arrive. Ma famille. Et c'est le prix à payer pour la liberté de parler, de penser, d'écrire dans notre pays. L'Algérie est un pays en construction démocratique, avec des reculs, des avancées, des progrès, des moments de désespoir. C'est un cycle normal pour tous les pays en construction démocratique. Et je pense que le progrès est inexorable. Nous sommes en train de nous battre pour le retour du matin. Et on va le gagner, cette bataille. Voilà. Pour l'écriture, c'est bon. C'est le troisième café littéraire, cet après-midi. Un café littéraire qui est consacré au plus centenaire de la naissance. Il est parti de cause. On cherche également. Des contes qui remontent à l'époque romaine, c'est à l'époque massissime du Gurtin. Et bien même dans le machin du fest, ils s'habillaient comme ça. Les Arabes ne sont pas arrivés encore. Ah ouais, ouais, ils s'habillaient comme ça à l'époque. Soumoul a sur ça, ça lui met à coffret, jamais. Nous sommes à la recherche de l'identité et les gens sont à la recherche des prénoms qui correspondent à cette identité. Et malheureusement, 98% de nos noms et prénoms, ils ont disparu et on se retrouve qu'avec quelques-uns, par exemple Azouaoui, Vier, Mokoran, Massinissa, Djigurta, mais il n'y en a pas assez. À un moment donné, tous les Kabyles, ils ont commencé à avoir le même prénom. Donc c'est un outil utile et indispensable pour que puissent les gens choisir et varier. Voilà, ça c'est le dictionnaire du prénom. Ça c'est le conte. C'est un conte féminin. J'ai fait celui-là, c'est uniquement en français. L'illustrateur, il essaye de restituer en imaginant comment que les gens s'habillaient en humidité il y a 2000 ans en arrière. Mes projets, je travaille sur un documentaire et je travaille sur les CD aussi. Je suis en train de préparer 5 autres CD, comme ça là. Il y a 5 qui sont sortis, il y a 5 autres qui vont sortir d'ici un mois ou deux. Et je travaille également sur la sortie et la réactualiser toutes les œuvres des Abranés. C'est-à-dire il y a 6 albums, 2 DVD et quelques images nouvelles, plutôt exclusives et inconnues. Je vais sortir ce mois de mai. Voilà mes projets. Le Maghreb depuis, je veux dire même l'Afrique depuis 2000 ans, c'est une terre chaude,
avec ses habitants généreux, chaleureux. Mais depuis 2000 ans, cette Afrique n'appartient pas à ses habitants. Ils sont squattés par les orientaux, les occidentaux, et ça continue. Donc l'avenir du Maghreb, une fois de plus, se joue en Europe, l'Afrique du Nord. Parce que dans l'état actuel, moi je fais un va-et-vient constant. Quand un peuple perd confiance en lui-même, il n'y a pas d'espoir. Donc c'est très difficile. Donc je représente ici la coordination internationale des chercheurs sur les littératures francophones maghrébines. C'est une association de spécialistes, d'universitaires, association qui a été fondée par le professeur Charles Bonne et qui se dédie à la création d'une banque de données qui est progressivement mise sur Internet. Cette banque vise à rendre compte de l'ensemble des parutions qui concernent notre corpus. Histoire, mais surtout littérature francophone, maghrébine, sous toutes ses formes. Donc on est là pour présenter le Festival du film tunisien à Paris. Donc c'est la première édition et qui aura lieu sur 3 jours dans 2 salles de cinéma. Notre objectif, c'est de promouvoir le cinéma tunisien en France, qui est assez mal distribué, mal représenté, d'augmenter aussi la diversité de la scène culturelle parisienne en offrant un produit qui n'existait pas au nombre suffisant auparavant, et donc on compte faire la part belle aux jeunes réalisateurs, à des styles qui ne sont pas très connus, le documentaire, le court-métrage, et puis certains concerts de musique d'artistes qui sont assez connus en Tunisie, de la scène underground, électro et classique. Donc en gros, c'est ça la manifestation qui aura lieu. Je crois qu'on a tous beaucoup d'espoir pour le Maghreb, puis quand on voit toute la production, aussi bien au niveau film que livre, etc., on a de l'espoir. Bon, maintenant, quand on y va, la vie des populations, c'est pas si facile que ça, et on sait bien, on connaît les difficultés qu'il y a là-bas. Et ce qui nous importe justement, c'est peut-être de maintenir le lien, parce que je crois qu'on a besoin de maintenir le lien dans les deux sens, quoi. Nous, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, donc... c'est ça qui me semble important. C'est difficile pour eux. C'est difficile, bien sûr, mais je crois qu'ils y arriveront. Moi, je suis persuadée qu'ils y arriveront. Inch'Allah. Inch'Allah.